Voilà, alors le temps que les photographes fassent évidemment leur travail. Pierre Arditi, ça y est, vous avez retrouvé le champ de vision? C'est bien. Voilà, alors, Ségolène Royat, d'abord, merci d'être là avec nous ce matin. On va parler de démocratie participative, puisque c'est une notion, la notion autour de laquelle s'articule une grande partie de ce que vous dites aujourd'hui. Est-ce que cette démocratie participative, c'est une façon de donner davantage la parole au peuple? Et dans ce cas-là, que devient le rôle, que devient la responsabilité de l'homme ou de la femme politique? La Cité de la Réussite est placée sous le thème générique de la responsabilité. Comment est-ce qu'on articule le rôle de la femme politique, de l'homme politique, sa responsabilité et la démocratie participative? D'abord, bonjour à tous. Merci de votre accueil. Je salue tout particulièrement Pierre Arditi et Ousmane Sow. S'ils le permettent, je resterai d'ailleurs à leur débat ensuite. Je voudrais vous dire que ma conviction profonde, c'est qu'il y a une crise politique, une crise démocratique, voire même une crise morale. Elle se traduit, vous l'observez régulièrement aussi, elle se traduit par un recul à l'égard des urnes électorales, par une montée de l'abstention, par une montée des frustrations aussi, par un sentiment profond de doute des citoyens à l'égard de leurs responsables politiques. Et j'ai envie de dire que la dernière manifestation de cette crise, c'est le sondage récent terrible qui a été rendu public, selon lequel 60% des Français estiment que les hommes politiques sont corrompus. Derrière ce mot de corruption, je crois qu'il y a peut-être un doute sur la corruption traditionnelle à l'égard des biens matériels, disons, pour aller vite. Mais je pense que derrière ce mot de corruption, il y a aussi un doute profond sur les valeurs et les raisons au nom duquel le pouvoir politique est exercé. Et c'est pour ça, je crois, qu'il faut une vraie révolution démocratique et mettre en place la démocratie participative, c'est-à-dire réassocier les citoyens aux décisions qui les concernent. Ça ne met pas en doute ni en cause la démocratie représentative, mais je pense que dans une démocratie arrivée à maturité, complexe, où souvent les responsables politiques n'ont pas tenu parole, où il y a une crise du résultat, eh bien la décision politique sera d'autant plus efficace et d'autant mieux fondée qu'elle associera au moins au diagnostic des problèmes dans un premier temps les citoyens. J'ai coutume de dire, parce que c'est ma conviction profonde, que les citoyens sont les meilleurs experts de ce qui les concerne. Alors on m'a traité de populiste. On reviendra peut-être sur ce débat tout à l'heure. D'accord. Et je crois qu'une démocratie participative, non seulement n'est pas contre la démocratie représentative, mais les gens ne veulent plus simplement être convoqués tous les 5 ans aux urnes. Ils veulent peser aussi entre les deux. Ils veulent savoir au nom de quoi nous décidons et sur quel constat nous prenons telle ou telle mesure. Et c'est cette ambition-là que, en tout cas, je nourris pour la France. Alors vous imaginez bien que, par exemple, des déclarations comme celle que vous avez faite sur la Turquie, hein, vous avez dit, je vous cite, « mon opinion est celle du peuple français sur l'entrée de la Turquie en Europe », on a le sentiment que quand vous dites « démocratie participative, façon de rendre la parole au peuple et mon opinion sera celle des Français », on se demande si vous ne poussez pas la logique un petit peu loin. Je ne crois pas. J'ai bien entendu effectivement les réactions qui ont eu lieu après ma déclaration. Mais on ne peut pas à la fois dire, et on l'a vu lors du référendum européen, dire au peuple français qu'on va le consulter et lui dire en même temps qu'il est trop bête pour réfléchir et surtout qu'il fasse comme l'élite lui dit de faire. Il est prévu que le peuple français se prononcera sur l'adhésion de la Turquie. Donc la moindre des choses, c'est de dire à l'avance que tout chef d'État respectera le verdict du peuple français. Ça ne veut pas dire que les responsables politiques n'ont rien à dire pendant une campagne. Mais aujourd'hui, on sait que la Turquie n'adhérera à l'Europe que si elle remplit un certain nombre de conditions. Et donc le peuple français sera à ce moment-là, en mesure d'apprécier si, oui ou non, les conditions sont remplies.
et les responsables politiques, les responsables associatifs, les militants, pas seulement les responsables politiques, mais tous ceux aussi qui jouent un rôle d'intermédiaire dans la société ou de prise de parole, auront la responsabilité, le moment venu, d'expliquer aux citoyens si oui ou non ces conditions seront remplies. Et donc le résultat du référendum dépend aussi de la façon dont les responsables politiques ont la capacité ou non de convaincre. Et donc lorsque certains s'effarouchent à la seule phrase selon laquelle mon opinion est celle du peuple français, c'est dire le fossé qui s'est creusé entre certains responsables politiques et le peuple. Moi, je n'ai pas peur du peuple. Au contraire, je le respecte. Je crois aux intelligences collectives. Je crois à sa capacité de se mettre en mouvement. Je pense indispensable de faire aussi le bilan pour lequel le peuple français, par exemple, a dit non à la Constitution européenne. C'est précisément parce qu'il a été trop souvent, parmi les multiples raisons, ce serait trop long ici de les développer, mais l'une d'entre elles, c'est parce qu'il a eu le sentiment d'être écarté de la construction de l'Europe et surtout des questions les plus simples. Je n'en citerai qu'un exemple, le peuple français a été écarté du fait de donner son avis lors de l'élargissement de l'Europe. Ça n'est pas rien de passer à 27 membres. Et sur une question aussi simple de l'élargissement des frontières de l'Europe, qui constitue aussi une des angoisses profondes des citoyens. Sur cette question-là, il n'a pas été consulté, et on le consulte sur la Constitution, qui est un sujet complexe, en lui disant « ne réfléchissez pas trop, mais faites comme on vous dit de faire ». Eh bien, il a fait le contraire dans les urnes, et cette leçon-là, je crois, il faut la retenir, parce qu'elle met en cause aussi la façon de faire de la politique. Il y a quelques jours, je crois que c'était la semaine dernière, Nicolas Sarkozy, à propos de la responsabilité des juges, Nicolas Sarkozy a dit « Mon seul juge, c'est le peuple ». Est-ce que cette façon de dire les choses est très différente de celle que vous venez de dire ? Je pense que c'est une formule. Je pense qu'il faut que la politique évite de procéder par formule. La justice doit être respectée. Elle a un rôle dans les institutions, dans la Constitution. L'indépendance de l'autorité judiciaire, ça a un sens. Elle a été malmenée ces semaines et ces jours derniers, et je crois que ça, ce n'est pas bon. Parce que trouver des explications faciles ou démagogiques au désordre des choses et aux insécurités, et en premier lieu en pointant du doigt l'autorité judiciaire à laquelle on doit son indépendance, je pense que là, c'est basculer dans une certaine forme de populisme. Et moi, je n'adhère pas à cette façon de faire. Sur la démocratie participative, encore une fois, est-ce que cette façon de mettre en avant cette notion très forte, évidemment, vous conduirait, une fois élu, à modifier les institutions ? Est-ce que, par exemple, vous voulez avoir recours beaucoup plus souvent au référendum, pourquoi pas au référendum d'initiative populaire ? Oui, bien sûr, hein, il y a plusieurs modes d'exercice de la démocratie participative qui existent d'ailleurs dans certains pays, qui est né à Porto Alegre, que l'on voit aussi dans certaines villes européennes, que j'ai mis en place dans la région que je préside, puisque je vais jusqu'au budget participatif, qui est l'aspect le plus achevé de la démocratie participative, c'est-à-dire que aller jusqu'à consulter les citoyens sur une partie de l'utilisation de leurs impôts, c'est la forme la plus achevée de cette démocratie. Entre les deux, il y a les référendums d'initiative populaire, et je pense que tout le champ de la protection de l'environnement s'y prête, parce qu'en même temps, c'est une exigence de transparence et d'accès des citoyens aux données environnementales, celles qui pèsent sur la santé publique, par exemple. Il y a eu beaucoup de mensonges publics sur la question environnementale. Le mensonge sur le nuage de Tchernobyl, le mensonge sur les OGM... le mensonge sur les pollutions par les pesticides, qui sont aujourd'hui, on le sait, à l'origine de bien des cancers. Quand on voit qu'en France, une femme sur 10 est touchée par le cancer du sein, et on sait pertinemment qu'à l'origine de ça, il y a la dégradation de l'environnement, et notamment les pollutions d'origine alimentaire, agricole, elles-mêmes d'origines agricoles. On voit aussi que dans la démocratie participative, automatiquement, il y aura une exigence de transparence.
Et donc les citoyens seront en droit de savoir pourquoi on décide un certain nombre de choses et seront en droit de contester aussi un certain nombre de décisions politiques, et tout cela dans l'intérêt général. Donc il y a les référendums d'initiative populaire, il y a les jurys de citoyens et il y a le budget participatif. Et je suis favorable à ce que l'on impose à toute collectivité publique une partie de son budget mise en débat et mise au vote. À titre d'exemple, je le fais dans les lycées de ma région, où ce sont les lycéens et aussi les parents d'élèves, les enseignants. Donc ils se réunissent, il y a des assemblées générales, ils ont des bulletins de vote et ils décident, ils choisissent entre un certain nombre de projets d'investissement dans les lycées. Au départ, on m'a dit... Mais avec un budget contraint, je suppose. Avec un budget contraint, mais ils sont très responsables. Ouais. Au départ, on m'a dit, mais ça va être n'importe quoi, les jeunes vont demander n'importe quoi. Et en fait, on se rend compte que non seulement ils font émerger des besoins qui n'étaient pas identifiés dans les lycées, et en plus, ils m'ont poussé à prendre des décisions politiques globales d'intérêt général, et en particulier à émerger dans ce débat parmi les jeunes une soif de culture inimaginable. Le constat d'une carence culturelle, d'un désir d'accès aux pratiques culturelles. Et donc non seulement, du coup, dans tous les lycées, il y a des projets culturels, et tous les lycées ont droit aujourd'hui à des orchestres de musique, à des troupes de théâtre, à des artistes en résidence, etc. Mais ça m'a poussé aussi, voyez l'intérêt de la démocratie participative, à faire en sorte que même où ça ne s'était pas exprimé, de prendre une décision politique globale. Et nous avons recruté des animateurs culturels dans tous les lycées et nous avons établi le droit d'accès à la culture et aux pratiques culturelles à tous les lycéens de la région. Donc vous voyez comment l'articulation entre une prise de parole, la possibilité de choisir, il ne faut pas se moquer des gens hein, quand on fait la démocratie participative, il ne faut pas confondre réunion d'information et réunion de décision. Il y a une hiérarchie très subtile entre la qualité du débat et la façon dont on associe honnêtement les gens aux décisions qui les concernent. Et on n'amuse pas la galerie, on ne fait pas des décisions, des réunions ensuite pour les oublier, parce que les citoyens sont très exigeants. C'est-à-dire que si on les trompe après avoir avancé des convictions sur la démocratie participative, le boomerang risque d'être extrêmement douloureux. Donc ça pose aussi une exigence dans l'attitude politique à l'égard d'une honnêteté sur une décision politique. Alors, de la démocratie participative à la responsabilité, qui encore une fois est le thème de cette cité, il n'y a évidemment qu'un pas. Une question de Pierre. Voilà, Pierre. Bonjour Madame Royal. On a effectivement beaucoup parlé de responsabilité, puisque c'est le fil rouge de la cité de la réussite. Comment définiriez-vous la responsabilité du chef de l'État, et plus généralement, estimez-vous que les élus sont aujourd'hui suffisamment responsables ? La responsabilité, c'est une notion fondamentale, mais j'ai envie de dire tout de suite qu'elle ne va pas sans la liberté et sans les conditions d'exercer la responsabilité. C'est un sujet vaste, je dirais quelques éléments moi, qui me tiennent particulièrement à cœur. La responsabilité du chef de l'État, ça sera de mettre en place le pacte social qui va se nouer pendant la campagne électorale. Et conformément à ce que je viens de dire, je pense qu'un projet présidentiel, il se noue en dialogue avec le peuple pendant la campagne électorale. Donc c'est cette capacité aussi à faire émerger ce pacte social pendant la campagne, puis à donner la certitude que la parole sera tenue sur la mise en place de ce pacte social qui va pour moi fonder la responsabilité du prochain chef de l'État. C'est comme cela que je conçois à la fois ma candidature, pour l'instant à la candidature, et la façon aussi dont j'entends répondre à la crise démocratique dans le pays. Cette responsabilité-là, elle s'étend à la façon dont on va éclairer l'objectif à atteindre pour un pays comme la France. Pour ne pas être trop longue, je voudrais simplement évoquer le thème qui est pour moi fondateur de la campagne présidentielle. Je pense que la principale inégalité dans ce pays, et en tant que socialiste, ma préoccupation première, c'est de réduire les inégalités. Et la principale inégalité dans notre pays, elle se joue entre les familles qui ont la certitude
de pouvoir transmettre à leurs enfants, c'est-à-dire à la génération suivante, à la fois des valeurs, la réussite scolaire, un métier, un logement, et avec la certitude que cette génération suivante pourra à son tour transmettre, c'est-à-dire ceux qui s'inscrivent dans la lignée et dans l'enchaînement des générations, qui est le fondement même de toute société. Donc il y en a qui ont cette certitude, et puis il y en a qui ne l'ont pas, parce qu'ils sont dans le doute, dans la précarité, dans la fragilité, même dans les catégories moyennes, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir encore avoir la capacité à transmettre ces valeurs, soit parce qu'ils sont dans des souffrances personnelles, des destructions familiales personnelles, soit parce qu'ils sont dans une précarité matérielle, soit parce qu'ils ont perdu le sens, ils ne comprennent plus le sens de la réussite scolaire, soit parce qu'ils ont des enfants qui sont diplômés de l'enseignement supérieur et qui sont au chômage, et là c'est une rupture fondamentale du pacte social. Et donc, voilà quelle est cette inégalité. Et le rôle que je m'assignerai en tant que chef de l'État, si les Français me font confiance, c'est de faire en sorte que tous les citoyens, où qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, arrivent à conquérir cette certitude qu'ils pourront transmettre à la génération future. Parce que je crois que c'est comme ça que la nation se met debout, qu'elle sait sur quelle raison et sur quelle façon elle s'appuie. C'est comme cela que la République tient sa promesse égalitaire, et pour moi, socialiste, c'est une mission fondamentale, et c'est comme cela aussi que l'on démontre que l'État et que les services publics fonctionnent bien. Et donc, sur ces trois piliers de la nation, de la République et du bon fonctionnement de l'État, s'appuie la responsabilité d'un chef d'État. Merci beaucoup. Alors, est-ce que sur ces sujets de démocratie participative, de responsabilité des politiques, y compris de responsabilité du chef de l'État, il y a des questions dans la salle? Voilà. Tenez, levez-vous, on va vous repérer. Vous voulez bien vous lever? Voilà, merci. On vous amène un micro. Et si vous voulez bien vous présenter avant de formuler votre question, je vous remercie. Bonjour à tous. Il faut parler assez fort dans le micro. Bonjour, je m'appelle Aurélia Vallot, je travaille maintenant, j'ai fait Sciences Po l'ESSEC. Il faut parler assez fort, mais lentement. Ma question, c'est en fait, pour rebondir sur la question qui vous était posée, c'était pas quelle était votre définition de la responsabilité, parce que je pense que c'est vraiment une question clé, mais est-ce que vous pensez que les hommes politiques, je reprends ta question, sont assez responsables de manière légale, juridique, aujourd'hui en France? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'un homme politique qui s'engage, et toutes vos promesses sont magnifiques, et on n'a qu'une envie, c'est d'y croire? Mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, de la même manière qu'un chef d'entreprise, quand il n'a pas atteint ses objectifs, ou qu'un salarié, quel que soit son niveau, quand il ne tient pas ses objectifs, il est soit remercié ou pas, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, dans une optique d'efficacité, qu'un homme politique qui fait des promesses, pour justement éviter le biais de faire des promesses mirobolantes et qui, l'histoire se répète, quelle que soit l'ambition et le cœur qu'on peut y donner quand on se présente et quand on fait sa campagne, de dire, au bout d'un moment, s'il y a des biais qui sont trop forts, soit on est de même remercié, voire même s'il y a des aspects financiers condamnés. Voilà, c'est assez dur comme D'accord. question, mais c'est une vraie question. Ok. Alors, il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Il y a la responsabilité pénale, qu'il faudra aussi étendre au chef de l'État, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je suppose, pardon, que vous êtes pour la réforme du statut pénal du chef de l'État. Oui, je suis pour la réforme du statut pénal du chef de l'État. La responsabilité pénale, elle joue lorsque les élus enfreignent la loi pénale. Donc ça, elle existe. Elle a déjà été appliquée. Elle l'est même davantage aujourd'hui qu'il y a quelques années. Quand les premières affaires de corruption ont commencé à être jugées, les Français se sont dit « mais tous les responsables politiques sont corrompus ». En fait, on peut aussi voir les choses différemment. C'est qu'avant, les affaires étaient étouffées et n'arrivaient jamais devant l'opinion publique. Premier point. Donc là, je pense que de ce point de vue, il y a quand même eu un progrès eu égard à la mise en responsabilité pénale des élus qui enfreignent les lois fondamentales. Il faudrait aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des amnisties d'hommes politiques proches du pouvoir, je pense que c'est là aussi une rupture du pacte social. On a eu un exemple récent, chacun l'a à l'esprit,
Comment voulez-vous que des jeunes dans les cités reçoivent le discours sur la responsabilité pénale si parmi les puissants, il y a une forme d'impunité et de copinage pour passer l'éponge? Le nom que vous ne citez pas, c'est celui de Guy Dru. Voilà. Venons à la responsabilité politique. La responsabilité politique citoyenne, normalement, elle est mise en cause à chaque renouvellement électoral, puisque les citoyens peuvent sanctionner les élus qui n'ont pas rempli leurs obligations. Sauf que vous avez raison, c'est pas toujours évident, c'est-à-dire que souvent, il y a des insuffisances ou des élus qui ne prennent pas en compte les aspirations profondes de leur collectivité, que ce soit dans les mairies, dans les départements, les régions, les parlementaires. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'évaluation au long cours du rôle des élus. Et c'est pourquoi, et c'est une demande profonde des Français, et c'est pourquoi dans une réforme institutionnelle, je pense qu'il faudra clarifier et peut-être préciser la façon dont les élus pourraient être obligés de rendre des comptes à intervalles réguliers. Ça se fait d'ailleurs dans certaines collectivités, dans d'autres pays, avec des jurys de citoyens tirés au sort qui évaluent les politiques publiques, non pas dans un sens forcément de sanction, mais pour améliorer les choses. C'est-à-dire, je pense qu'il faut, dans ce domaine, être dans des logiques gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'une surveillance populaire sur la façon dont les élus remplissent leur mandat par rapport à la satisfaction des besoins ou par rapport au juste diagnostic des difficultés qui se posent, le fait qu'il existe non seulement un conseil municipal, mais bien au-delà des jurys de citoyens qui peuvent évaluer à partir d'un certain nombre d'indicateurs que l'on pourrait démocratiquement mettre en place, serait, je pense, très utile à une démocratie vivante. Merci beaucoup. Une question de Alix. Sur l'ordre... Qui est Alix ? C'est moi. Pardon. Oui, allez-y. Oui, bonjour Madame Royal. Vous avez parlé à plusieurs reprises d'ordre juste. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous entendez par là ? Est-ce que c'est un nouvel ordre moral, uniquement social ou économique ? Et est-ce que c'est un rapport avec le pacte social dont vous parlez aujourd'hui ? Merci. Oui, j'ai beaucoup parlé d'ordre juste. Et c'est un de mes objectifs. Je l'oppose au désordre de toutes sortes. Je l'oppose au désordre libéral. Je l'oppose au désordre de l'insécurité. Je crois que l'ordre juste, c'est un monde qui, face au désordre des choses, face aux mutations internationales qui nourrissent des anxiétés, remet en place des règles du jeu qui sont les mêmes pour tous. Je crois que l'ordre juste, c'est la sécurité par rapport aux insécurités, notamment la sécurité dans le travail. Certains pensent que c'est la précarité qui est source d'efficacité économique. Je pense le contraire. L'ordre juste, c'est de ne pas tolérer la destruction de la valeur travail. C'est qu'au contraire, le travail soit correctement rémunéré, que les salariés soient correctement sécurisés, parce que ce sont des salariés bien sécurisés, qui sont aussi des salariés bien motivés dans leur travail. Des parents sécurisés dans leur travail sont des parents qui peuvent accomplir leur métier de parent et transmettre aussi le sens de l'effort à leurs enfants. Une école qui fonctionne bien et qui tient sa promesse égalitaire, c'est une école en effet d'ordre juste, au sens où il n'y a pas d'ordre sans justice et qu'il y a aujourd'hui une aspiration profonde d'abord à comprendre les règles du jeu et à faire en sorte que ces règles soient appliquées à tous, que l'on soit puissant ou que l'on soit petit. Et dans le monde que nous avons à construire aussi, il y a l'ordre économique juste, c'est-à-dire celui qui ne tolère pas, par exemple, la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire que certains gagnent plus d'argent en faisant des placements financiers et ces masses de capitaux qui se déplacent à l'échelle de la planète en détruisant les emplois, par exemple. Ça, c'est du désordre injuste. Donc il y a l'ordre économique juste, il y a l'ordre social juste aussi, dans lequel tout le monde a le sentiment que les talents sont reconnus dans leur diversité, sont justement rémunérés. Et puis il y a l'ordre environnemental juste. Et je pense aujourd'hui que la société et la reconquête de la croissance et de la croissance durable,
qui permettra aussi d'améliorer le bien-être, s'appuie sur ces trois piliers. Et l'économie n'est pas au service de l'économie, l'économie est au service du bien-être. Et cela touche aussi les sécurités individuelles. Et dans la fameuse sécurité au quotidien, parce que c'est vrai qu'il y a une montée des insécurités, c'est vrai qu'il y a une montée des délinquances, qu'on a un système aussi aujourd'hui qui est en faillite parce qu'il y a un système de production de délinquance de masse. C'est un comble aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant d'atteintes aux personnes et aux biens. Donc on agite les peurs comme ça pour faire croire que seul un certain nombre de moyens ou de mise en cause ou de dénonciation d'un certain nombre de boucs émissaires soient capables de ramener la sécurité. Non, je crois que les sécurités durables, elles s'installent aussi parce qu'au départ, il y a une préoccupation de justice dans l'accès à l'éducation, de justice dans l'accès au savoir, à la culture, à l'emploi, à la reconnaissance, de justice entre les jeunes. Et je pense qu'il est temps que la République reconnaisse comme légitime tous les jeunes, d'où qu'ils viennent. Et cesser pour les jeunes Français de continuer à parler de première, de deuxième, de troisième génération, parce qu'ils sont tous Français et ils ont tous leur part à prendre dans la République. Et donc pour moi, l'ordre juste... L'ordre juste est indissociable de la République du respect. Et je voudrais terminer là-dessus. Je crois que lorsque les jeunes se sont dressés contre le CPE, ça n'est pas comme on l'a entendu dire parce qu'ils ne voulaient plus travailler ou qu'ils étaient devenus paresseux. C'est parce qu'ils revendiquaient le respect et qu'ils ne comprenaient pas, à juste titre, qu'un critère d'âge puisse conditionner un critère de licenciement sans raison. Ça, c'est le désordre injuste. Alors, cet ordre juste, donc cette notion couvre l'ensemble des sujets qu'on va essayer d'aborder maintenant. On va parler de la justice, de l'économie, du social. D'abord, une question sur la justice de Guillaume. Oui, bonjour Madame Royale. Alors, pour revenir justement sur ces questions de sécurité et de justice, nous savons que ce sont donc des questions qui sont au cœur de l'actualité aujourd'hui, nous ne savons que trop bien. Mais vos opinions et idées diffèrent quelque peu de celles communément admises au sein du Parti Socialiste. Et en cas d'accession à la présidence, quel serait donc le sens de votre politique sécuritaire, la direction que vous lui donneriez? Et surtout, comment la coordonneriez-vous avec l'institution judiciaire? D'abord, je ne crois pas avoir beaucoup de distance... Mais par rapport au projet du Parti Socialiste, mais c'est vrai que je veille à regarder les choses telles qu'elles sont. J'aime parler du socialisme du réel, parce que je crois que ça n'est pas avec des formules toutes faites ou des autosatisfactions plus ou moins bien pensées que l'on répond aux frustrations, aux attentes, aux exaspérations. Et l'on sent aujourd'hui, c'est vrai, dans le pays, une sorte de spirale dépressive, c'est-à-dire des catégories entières qui se sentent tirées vers le bas. Les gens ne regardent plus celui qui est au-dessus d'eux avec l'espoir de progresser, mais ils regardent celui qui est en dessous d'eux avec la hantise d'être déclassé. Ça, c'est la première des insécurités. Et donc, il faut mettre fin à cette spirale dépressive pour remettre en place des cercles vertueux qui nous retirent collectivement vers le haut. Et c'est cette sécurisation qui est le fondement même de la lutte contre toutes les formes d'insécurité. Alors votre question est très très vaste. Moi je voudrais simplement évoquer la question du profil des délinquants. Une question très connue, mais je pense qu'il faut sans arrêt y revenir. Les jeunes qui sont en prison sont des jeunes qui sont soit en rupture familiale, soit en rupture scolaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des adultes référents pour les cadrer au bon moment, tout au long de leur vie. Et donc, la première des conditions de la reconquête de la sécurité, d'abord, c'est de donner aux familles les moyens d'éduquer correctement leurs enfants, de stabiliser les parents. Ensuite, c'est de renforcer l'articulation entre l'école et la famille. Parce que déjà là, si ça fonctionne, les choses fonctionnent. Après, c'est l'éducation par l'exemple. Et des jeunes seront correctement encadrés, éduqués, avec une autorité d'adulte,
bien identifiée et bien légitime si l'ensemble des adultes d'une société sont cohérents entre eux. Mais quand les jeunes constatent ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des règles qui s'appliquent inégalement selon que l'on est puissant ou pas, quand les jeunes entendent un discours sur l'égalité et que tous les jours ils se rendent compte que cette égalité n'est pas là, quand dans les cités il y a des jeunes diplômés qui sont au chômage parce qu'ils subissent des discriminations, alors les petits frères et les petites sœurs n'ont plus le sens de l'effort scolaire. Donc il va falloir remettre de la cohérence, de la réussite scolaire et de la réussite familiale là où elle est nécessaire. Après, il y a la grande délinquance que je ne confonds pas avec toutes ces actions de prévention qui ont beaucoup reculé, ces actions de prévention. La suppression des emplois jeunes dans les cités ou dans les écoles, ça a fait des dégâts considérables. Je peux vous le dire parce que c'est moi qui les ai créés avec le ministre de l'Éducation lorsque j'étais ministre de l'Enseignement scolaire, les emplois jeunes dans les quartiers, où l'on voyait justement des réussites scolaires et des jeunes conquérir la dignité de leur place dans la société. Donc il y a eu des destructions, des retraits de moyens aux associations. On a eu un recul, on a un recul de la police de proximité qui est absolument inadmissible. Et ensuite, un discours sécuritaire qui n'a pas de sens, puisque la sécurité elle-même a reculé dans ses moyens les plus efficaces. Donc il va falloir... Et je pense que sur cette question-là aussi, la démocratie participative a un sens. C'est-à-dire que les citoyens dans les quartiers, dans les cités, retrouvent les moyens de leur dignité et de définir ensemble les conditions de sécurité dans les quartiers. Je voudrais terminer par là. Il y a un an, il y a eu des émeutes dans les cités. En un an, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Et donc, on va recommencer. Et j'espère que nos grands médias ne vont pas se jouer une deuxième fois le rôle pernicieux joué lors des précédentes élections présidentielles. C'est-à-dire ? C'est-à-dire où l'on montre effectivement des agressions, où l'on angoisse par des images qui existent, puisque ces faits existent, mais le miroir grossissant aussi de la télévision. À ce moment-là, il faut aussi montrer en face ce qui n'a pas été fait. Et par rapport à la rupture du lien de confiance entre les citoyens et leurs responsables politiques, quand on entend un responsable politique aujourd'hui au pouvoir, qui était, je crois, parmi vous, hier, annoncer des intentions, je vais faire ceci, je vais faire cela si je suis élu, c'est quand même invraisemblable. Lorsque l'on est au pouvoir, et je voudrais vous le dire, de façon avec une certaine gravité, parce que ça fait partie de la crise morale et de la crise citoyenne. Quand on a la chance d'être aux responsabilités, c'est-à-dire d'être dépositaire d'un lien de confiance que les citoyens vous ont accordé pour un temps déterminé, quand on a le pouvoir, c'est pour en faire quelque chose. Et quand on a... Et c'est pour cela que je suis candidate et que j'accepte cette mission, au départ que je n'avais pas demandé. Et puis ensuite, il y a eu ce mouvement. Je vais vous dire au fond de moi ce que je ressens. C'est que le pouvoir, j'en ferai quelque chose. Et je ne trouverai pas je ne sais quel échappatoire une fois élu pour dire « Mais si je suis élu dans le futur, vous verrez ce que vous verrez ». La citoyenneté, elle est à ce prix. C'est un trésor d'être aux responsabilités, de pouvoir décider pour les autres, de définir avec les autres ce qu'est l'intérêt général, de pouvoir faire bouger cette société, d'accomplir des réformes. C'est extraordinaire d'être dans cette situation-là. Alors quand on a la chance d'être dans cette situation-là et que l'on dit, que l'on entend dire « vous verrez », dans 6 ou 7 mois, comme ça va être formidable, parce que si je suis aux responsabilités, vous allez voir. Mais quand on est aux responsabilités, je le dis ici, c'est un déni de démocratie. Les Français, disiez-vous, il y a un instant, sont les meilleurs experts de ce qu'ils vivent.
Lorsque celui dont vous parliez il y a un instant a proposé que la responsabilité des juges, soit mise en cause, et lorsqu'il a dénoncé le fait que les juges n'étaient pas assez sévères, Le Figaro a fait un sondage, qui est un exercice un peu flash de démocratie participative, et il est apparu que 88% des Français considéraient que les juges n'étaient pas assez sévères et que 70% des Français considéraient que la récidive devait être systématiquement punie de façon plus sévère. Est-ce que ce message-là, des experts que sont les Français, vous le recevez ? Alors j'aurais deux choses à dire par rapport à cette question. Si le gouvernement actuel, et notamment son numéro 2, pense qu'il faut mettre en cause la responsabilité des juges, là aussi, on est dans un cas de rupture du lien démocratique. Pourquoi est-ce que le projet que le garde des Sceaux vient de déposer ne retient-il pas cette réforme promise ? Premier problème. Là aussi, des intentions affichées d'un côté. Le projet de loi de réforme de la justice qui vient d'être déposé hier et qui fait l'impasse sur cette question. Et ça, c'est grave aussi pour le lien citoyen, le lien démocratique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Soit l'idée était mauvaise et elle est inapplicable, soit le gouvernement manque de courage et une fois de plus, manque à sa parole et ne met pas en contradiction ses actions et ses actes. Or, le principal critère de rupture entre les citoyens et leurs responsables politiques, c'est précisément le fossé entre le discours et les actes. Et une fois de plus, on en a une démonstration flagrante. Et sur le point particulier de la sévérité des juges ? Je crois que derrière la question de la sévérité des juges et de l'attente des citoyens à ce qu'ils soient plus sévères, c'est la revendication d'une justice plus efficace. Et pour être juste, précisément, à l'égard de la justice, il faut dire, parce que c'est peut-être insuffisamment connu, que même lorsque les décisions des juges interviennent, et notamment au regard de la délinquance des mineurs, et quand ils proposent des peines de placement des mineurs dans des centres fermés, ils attendent 6 mois, 8 mois, 1 an avant que leur décision ne soit appliquée. Pourquoi ? Parce que lors des précédentes élections présidentielles, le gouvernement actuel et le ministre de l'Intérieur actuel avaient promis la construction sur tout le territoire français de centres éducatifs fermés. Il y a eu un centre construit sur l'ensemble du territoire national. Et donc, aller aujourd'hui reprocher aux juges leur manque de sévérité, alors que même lorsqu'ils prennent des décisions sévères, celles-ci ne peuvent pas être appliquées parce que le service public judiciaire est en situation de misère, voire de défaillance, parce que les services publics accompagnant la justice et permettant aux jeunes d'être enfermés, je n'hésite pas devant le mot, mais de façon éducative, n'existe pas, là aussi, il y a un problème de démocratie et d'écart entre le discours et les actes, c'est-à-dire faire reporter sur d'autres sa propre responsabilité politique. Je vous le dis ici, moi je ne ferai jamais reporter sur d'autres la carence de ma responsabilité politique. Et là aussi, on est dans la démocratie participative, parce que si les juges pouvaient témoigner, si les justiciables pouvaient témoigner, si les familles qui sont en première situation de souffrance, les parents dont les enfants, effectivement, ont dérapé à un moment et qui voient leurs enfants retourner à la rue alors qu'il y a une décision du juge demandant un accompagnement éducatif et que cet accompagnement éducatif n'est pas adapté, mais c'est tout l'édifice social qui s'écroule. Et donc, il va falloir remettre à niveau le service public de la justice, plus facile à dire qu'à faire, et je pense, même si elle est contestée, et si elle n'est pas encore dans le projet des socialistes, mais je crois que c'est une solution efficace, qu'il va falloir décentraliser, et je le dis en tant que présidente de région, si j'avais la responsabilité, avec les ressources fiscales qui vont avec, bien évidemment, de remettre à niveau matériellement
le fonctionnement de la justice et les services publics d'accompagnement, alors je pense que nous le ferions parce que justement nous serions en proximité des justiciables, des familles et des juges qui seraient en mesure, par rapport aux responsables politiques de proximité, d'exiger que les choses se fassent correctement. Et je pense que nous pourrions remettre à niveau un certain nombre de choses qui permettraient aux services publics de mieux fonctionner. Décentraliser la justice, donc. Non, non. Non. Ne faites pas peur. Non, alors, juge. C'est ce que vous. Alors. Non, il y a deux précision. Choses. Il y a le fonctionnement matériel de la justice, oui. La construction des centres éducatifs. Vous savez que, par exemple, d'accord. Aujourd'hui en France, on attend 6 mois, 8 mois la photocopie d'un jugement parce qu'il n'y a pas de greffier, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de photocopieuse. Donc ça doit être décentralisé. Écoutez, c'est le bon fonctionnement du service public. C'est un service public, au moins, qui d'accord. Assume son fonctionnement matériel. Et déjà, c'est le fonctionnement matériel. Et il y aurait beaucoup à dire aussi dans le domaine des prisons, par exemple. C'est une indignité dans notre pays. Et je crois que là aussi, la remise à niveau matériel des constructions doit être absolument décentralisée. L'État central n'y arrive pas, n'y arrivera pas. Et je pense que c'est une façon à la fois de lutter contre les gaspillages de fonds publics, d'être efficace, d'être rapide, comme les collectivités locales l'ont montré dans d'autres domaines. En revanche, il faut laisser de la responsabilité de l'État les personnels, les formations, d'accord. Le fonctionnement, les règles d'organisation, la politique pénale, la politique, toutes les politiques pénales et judiciaires et la péréquation entre les territoires pour que la décentralisation n'aboutisse pas à des territoires à plusieurs vitesses. Merci. Est-ce qu'il y a une question sur la justice ? Monsieur, là-bas, vous vous levez, s'il vous plaît. Voilà, on vous voit et on vous apporte un micro. Vous pouvez vous présenter ? Bonjour, Ekel Mahou, étudiant à l'ISEC Paris. M'entendez ? Oui, moins près le micro. Voilà. Donc, étudiant à l'ISEC Paris. Donc, bonjour Madame Royal, vous êtes ici une des représentantes du Parti Socialiste. Donc, il s'avère qu'en 1981, votre parti incarnait l'espoir d'un peuple, la flamme du jeunesse qui voulait donner vie à ses rêves. Donc, une flamme qui s'est malheureusement éteinte avec le temps, faute de résultats, pour arriver à un constat d'échec, un échec démocratique en 2006, notamment lorsqu'on voit les différentes manifestations sur les questions telles que l'emploi, la formation, l'éducation ou encore la santé. Donc, tant de décalage entre ce que veut le peuple et ce que décident nos gouverneurs. Donc, l'ambition de redonner une place au peuple dans la avec la démocratie participative est bonne. Mais dites-moi, Madame Royal, en tant que candidate potentielle à l'élection présidentielle, quels seront les moyens mis en œuvre pour qu'il y ait un réel relais entre les populations et les élus et qu'enfin, pardon, les décisions soient prises en fonction des attentes du peuple et non sur des idéologies, autrement dit, pardon, comment comptez-vous vous y prendre pour être en phase avec les attentes de la jeunesse, notamment en termes de sur des questions sur la formation, l'emploi ou encore le logement. Ok, merci. Voilà. Donc vous avez compris que c'est une question directement liée à la justice, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse répondre quand j'ai même. J'ai donné quelques éléments tout à l'heure sur cette façon de remettre le peuple français au cœur du projet politique. Je crois l'avoir démontré, je l'ai dit tout à l'heure, je n'y reviens pas. Localement, parce que ce projet régional, on l'a construit avec les gens. Et on a eu, jour après jour, un éblouissement. Quand on a vu les salles pleines pour parler de sujets aussi diversifiés que la question de la gestion de l'eau, que de la formation des jeunes, que de l'autorité parentale. Et je pense qu'il y a vraiment une soif des citoyens pour participer aux décisions qui les concernent. C'est pour ça aussi que j'ai ouvert un site, Désir d'avenir. Et ce qui arrive sur ce site participatif est exceptionnel. À l'heure où je vous parle, il y a déjà 30 000 contributions, c'est-à-dire de personnes qui viennent et qui discutent entre eux sur un certain nombre de sujets qui sont affichés sur ce site. Et c'est là où on voit une formidable intelligence collective. Et sur la question des jeunes, vous avez raison, je crois que le pays est très en retard et que nous devrons définir une nouvelle donne avec les jeunes. C'est en France que le taux de chômage des jeunes est le plus élevé. C'est en France où les pratiques culturelles des jeunes sont les plus sont les plus inégalitaires. C'est en France où le plus grand nombre de jeunes, 150 000, sortent du système scolaire sans qualification. C'est en France où les jeunes n'ont pas accès aux responsabilités. C'est aussi un état d'esprit de tout un pays. Et cette mise en mouvement des jeunes sur le message selon lequel
mais que les entreprises leur fassent confiance. On leur demande à la fois de l'expérience, et quand ils n'en ont pas, on refuse de leur tendre la main et de leur donner leur chance. C'est en France où on a le plus de mal à trouver, par exemple, pour les jeunes apprentis, des maîtres d'apprentissage, parce qu'ils sont toujours dans le calcul. « Ah, mais qu'est-ce qu'un jeune me rapporte par rapport au mal que ça me donne ?» Et donc, il faut absolument, dans la France d'aujourd'hui, déclencher un mouvement de solidarité entre les générations. Et je pense en particulier à une proposition extrêmement concrète, parce que je crois beaucoup au tutorat, c'est-à-dire aux jeunes qui passent aux autres jeunes. Et moi, je suis favorable, puisque vous êtes nombreux étudiants ici, à ce que tous les étudiants qui ont la chance d'être dans l'enseignement supérieur puissent se voir reconnaître des points supplémentaires, des unités de valeur supplémentaires, parce qu'ils auront accompli un travail de tutorat envers un jeune en difficulté scolaire, à l'école, au collège et au lycée. Et que ça rentre dans tous les cursus de formation des jeunes, quelle que soit leur filière de formation. Et je crois que c'est en nouant comme ça des solidarités entre des anciens et des plus jeunes. Mais je le répète, c'est aussi un état d'esprit, une société qui se met en mouvement, qui se dit c'est la nouvelle génération, c'est pour elle qu'on se bat. C'est pour que cette génération de tous les jeunes, d'où qu'ils viennent, de toutes origines, avec la diversité de leurs talents, puissent s'intégrer, trouver leur place et à leur tour transmettre. Et je crois que c'est ça le désir d'avenir. Merci. Alors, une question sur le modèle français. Cynthia. Bonjour Madame Royal. La France semble peiner à réinventer ou en tout cas à redéfinir son modèle. Vous nous avez tout à l'heure évoqué les pratiques dans les collectivités d'autres pays. Certains parlent du modèle américain, d'autres du modèle allemand ou encore du modèle britannique. Dans quelle direction regardez-vous et pourquoi ? Moi, j'aime bien le modèle nordique, mais je pense que dans tous les modèles, il y a quelque chose à retirer. C'est-à-dire, donc, comme le temps m'est compté, je ne pourrais pas vous dire un peu ce que je vois de positif dans chacun des modèles que vous avez évoqués. Mais il y a du positif partout. Il y a les États-Unis pour l'esprit d'entreprendre, la capacité à entreprendre, où les jeunes, justement, dès le plus jeune âge, sont formés à ce goût d'entreprendre. Très important, ça aussi, il va falloir l'inventer ici. Il y a les Anglais aussi, qui à un moment ont déclenché cette nouvelle donne pour les jeunes. Et puis il y a le modèle nordique, que j'aime bien parce qu'il a défini une nouvelle forme d'organisation de la société, au sens où c'est le pays qui a la fois, ce sont les pays qui ont à la fois le plus faible taux de chômage, le plus faible nombre de journées de grève et le pouvoir d'achat le plus élevé pour les bas salaires. C'est-à-dire qu'il y a un système gagnant-gagnant, une réconciliation entre les salariés et l'entreprise. Parce qu'il y a un rapport de force, au sens positif du mot, où les gens se respectent. Et je suis allée par exemple dans l'entreprise Ericsson en Suède. C'est quand même très spectaculaire. Je l'ai cité l'autre jour, cet exemple. Il y a eu plus de 10 000 suppressions d'emplois parce que l'entreprise a perdu des marchés. Eh bien, il n'y a eu aucun jour de grève et les salariés ont gardé leur salaire parce qu'ils ont été associés très en amont, c'est-à-dire dès les premières difficultés de l'entreprise. Les salariés ont été associés. Ils ont contribué aussi avec leur savoir-faire professionnel à trouver des solutions, à trouver des nouvelles niches d'innovation. Et donc la société, elle va avancer avec une nouvelle répartition du travail qui est parfois douloureuse, avec les délocalisations, vers des pays à faible taux de salaire. Et où en même temps, ces pays ont aussi besoin de se développer, donc il faut arrêter les délocalisations malveillantes, mal fondées ou uniquement financières, mais sur celles qui vont être inévitables si on anticipe les choses. Alors, on peut aussi s'en sortir vers le haut, dans des filières d'innovation, de recherche, de créativité, de nouvelles activités. Mais ça suppose aussi que la France reste leader dans l'ensemble des domaines sur lesquels elle est positionnée et pas imitatrice. Et donc cette volonté d'avancer des pays nordiques qui ont réussi en diminuant la durée du travail et par rapport à un débat qui est aujourd'hui dans l'actualité et qui fait porter aux 35 heures tous les maux, mais en Suède, la durée du travail n'est pas supérieure. Elle est même beaucoup plus souple, puisque
puisqu'il y a un congé parental de 6 mois que les parents peuvent prendre quand ils veulent. Et donc cette souplesse dans la qualité de vie, au contraire, elle est mise au service de la créativité de l'entreprise. Donc, il y a des façons de faire converger à la fois le bien-être, les qualités de vie, la productivité et en même temps l'intérêt général de l'entreprise qui est également l'intérêt du pays. Et ce modèle-là, même si il y a toujours des faits positifs et des faits négatifs dans tout domaine, aucun domaine n'est transposable à l'identique. Nous avons en France d'autres talents, d'autres racines culturelles, d'autres bonheurs de vivre que dans d'autres pays. Il ne s'agit pas ici d'imiter à l'identique, mais de regarder en toute modestie ce qui marche ailleurs, de cesser de considérer que le modèle français est le meilleur au monde. On a du mal aujourd'hui, de toute façon, à tenir cette ligne, et de regarder ailleurs ce qui marche, mais de le réadapter aussi à la culture, aux traditions, aux attentes et aux identités qui sont les nôtres. Je crois que cette force-là, c'est aussi la force de l'Europe qui, j'espère, va se relever. Un mot sur ce modèle suédois. Vous évoquez d'abord le modèle nordique et puis le modèle suédois. Et au fond, vous expliquez tous les bienfaits qu'il a apportés aux Suédois. Il se trouve malheureusement que la gauche social-démocrate a eu le pouvoir quasiment sans discontinuer pendant 70 ans et qu'elle vient de le perdre. Alors est-ce que vous ne faites pas référence à un modèle au moment où ceux qui en étaient soi-disant les principaux bénéficiaires veulent tourner la page et chercher un autre modèle? Non, mais votre question ne me dérange pas du tout, puisque la droite suédoise, dont j'ai regardé très attentivement la campagne électorale, a repris à son compte le modèle suédois. C'est-à-dire qu'elle a compris que cela faisait partie d'une réussite, et en plus d'une réussite regardée et observée du reste du monde. Il y a eu d'autres éléments, vous savez, plus personnels de l'échec des socialistes suédois. Il y a eu l'assassinat d'une candidate qui devait prendre le relais. Il y a eu aussi, je pense, une certaine usure du pouvoir. Et je crois qu'au-delà d'un certain nombre de mandats, c'est pourquoi moi je suis favorable à la limitation du nombre de mandats dans le temps, tout le monde peut être touché par une forme d'usure du pouvoir. Combien de mandats, par exemple, pour le président de la République? 2. Je ne veux pas faire d'annonce ici. 5. Non. 2 mandats. 2 mandats. Mais pour tous les mandats, ce n'est pas seulement le mandat du président de la République, je pense. Pour tous les mandats, cette question se pose de la limitation du nombre de mandats dans le temps et bien évidemment de l'interdiction du cumul des mandats. À propos de modèles. Vous avez déclaré, on a lu dans le Times, une phrase qui est un peu étonnante, et probablement vous allez nous l'expliquer. Vous avez dit, et c'est le Times qui vous cite, « les capitalistes doivent être effrayés ». Ce qui a été traduit, « nous allons effrayer les capitalistes ». Qu'est-ce que vous aviez derrière la tête? Écoutez, c'est très simple. Un journaliste du Times a assisté à une réunion que je tenais dans ma région avec des salariés d'une entreprise textile, dont je ne citerai pas le nom, parce que vu son comportement, je ne veux pas lui faire de publicité, qui a sciemment organisé sa délocalisation. Une entreprise locale qui s'est fait racheter par une entreprise suisse et qui a annoncé du jour au lendemain, sur un territoire en plus rural, c'est-à-dire à mono-activité, que 180 femmes allaient se retrouver sur le carreau. Et ça, ce sont des comportements inadmissibles. Alors je me suis mise en colère. Depuis, le plan social a été suspendu pour 3 mois, le temps au moins que les salariés soient respectés et soient informés de ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une entreprise suisse a acheté une entreprise de ma région, qui a une marque très connue, a racheté donc la marque, puis a organisé le transfert de l'activité sans prévenir les salariés. Pour être très précise, la découpe des vêtements se faisait dans la région et l'assemblage en Tunisie. Elle a acheté une machine de découpe, c'est-à-dire elle a transféré une partie de la production qui avait lieu en France, pour laquelle elle bénéficiait d'ailleurs d'exonérations sur les bas salaires, et ensuite pour nous expliquer qu'elle allait encore dans des pays à plus bas salaires. Qu'est-ce que j'en retire comme leçon sur le plan national? C'est que les délocalisations injustifiées ou manipulatrices doivent coûter cher pour être dissuasives. C'est-à-dire que
il faut que les aides publiques soient conditionnées à l'interdiction de délocaliser lorsque les entreprises font des bénéfices, et c'est le cas, puisque l'entreprise continue à faire des bénéfices. Et quand elles le font, il faut au moins qu'elles soient menacées de rembourser les fonds publics payés par le contribuable. Cette entreprise, elle a reçu depuis le début de l'année 600 000 euros de fonds publics payés par le contribuable. Et elle va détruire de la valeur sociale en délocalisant de façon injustifiée dans la mesure où elle fait encore des profits. Et à supposer même qu'elle soit obligée de délocaliser pour des raisons économiques, à ce moment-là, il faut faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les collectivités publiques qui ont financé et que les salariés qui sont intelligents parce qu'ils ont du savoir-faire et que les femmes qui travaillent dans cette usine, d'ailleurs, au bout de 30-35 ans, elles sont toujours au SMIC, entre parenthèses. Mais elles ont du savoir-faire. Et il y a peut-être des filières d'innovation, y compris dans le textile, à mettre en place avant la délocalisation. Et je ne vois pas pourquoi des groupes textiles espagnols, dans des logiques d'innovation permanente, continuent à faire fabriquer en Espagne, vous voyez à qui je fais allusion, ce très grand groupe textile, et pourquoi en France, on n'a pas la même logique et donc c'est d'innovation avant même les délocalisations. Et donc c'est ce comportement que vous voulez... Et donc c'est ce comportement éradiquer, qui n'est pas, et c'est ça qui n'est pas acceptable. Voulez... D'accord. Et c'est pour ça que vous dites qu'il faut effrayer les capitalistes dans ces conditions-là. Effrayer au sens où il faut qu'ils se disent... Ça ne sera plus comme avant. On va avoir une responsabilité à l'égard des territoires dans lesquels on est intégré. Parce que si on s'est enrichi à un moment, c'est parce que pendant des générations, des salariés ont apporté leur savoir-faire. Les collectivités ont apporté les infrastructures. Et ça, ce n'est pas possible, ça. Alors, il est... Ma montre avance un peu, donc il est presque midi. Il y a deux, on va terminer avec deux questions rapidement formulées. L'une de Charlotte. Il y a le débat qui va suivre. Absolument. L'une de Charlotte et l'autre de Aïssada. Charlotte. Dans quelle mesure le fait d'être une femme pourrait-il être un atout pour les prochaines élections présidentielles et quels seraient les changements, quels pourraient être les changements liés à la présidence d'une femme? Je vais être très brève, par respect pour le débat qui suit. Je pense que le temps des femmes est venu. Mais que les hommes ne s'inquiètent pas, parce qu'à l'échelle de la planète, sur plus de 200 pays, il doit y avoir 7 femmes chefs d'État, Angela Merkel notamment et Michelle Bachelet au Chili. Je pense qu'il faut que le plafond de verre saute partout, qu'il saute dans l'entreprise. On sait que les femmes se heurtent contre un plafond de verre à partir d'une certaine responsabilité. Et je crois que c'est la mixité qui est une chance et qui est un progrès humain. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes, au même titre que la mixité et la diversité dans toutes les origines ou dans toutes les façons de faire, qui constituent un progrès pour l'humanité. Aïssada, la dernière question. Oui, bonjour. Je voudrais juste savoir, au regard des émeutes de l'an passé, est-ce que vous avez pu analyser et comprendre notre révolte? J'habite Argenteuil, un quartier difficile. Et je voudrais savoir quelle serait votre première mesure symbolique et réalisable en faveur des quartiers pauvres et difficiles. D'abord, je voudrais dire que je ne les appelle pas les quartiers pauvres. Parce qu'il y a de l'énergie, il y a du talent, il y a des savoir-faire. Il y a de la créativité et je pense qu'il faut redonner aux jeunes de ces quartiers l'envie d'avancer, l'envie de créer. Et lorsqu'on leur en donne les moyens, je puis vous dire que l'énergie est là, que la réussite est là, que l'engagement est là. Et plus qu'une mesure concrète, il faudra en faire, parce que c'est vrai que c'est inadmissible que le taux de chômage soit le double qu'ailleurs. C'est inadmissible que les enfants soient assignés aux écoles et aux collèges où il y a le plus faible taux de réussite scolaire. Et qu'il va falloir donner davantage aux quartiers qui ont le moins. Pour que, comme je le disais tout à l'heure, dans ces quartiers, il y ait aussi le sentiment que la République tient sa promesse égalitaire. Et en même temps, je ne suis pas dans un discours larmoyant à l'égard des jeunes de ces quartiers, parce que je pense qu'ils sont l'avenir de la France, et qu'il y a trop de talents gaspillés, et que c'est ce talent-là qu'il va falloir déployer sur le territoire, parce qu'on en a besoin. Merci.
Merci beaucoup Ségolène Royal. Merci à Ousmane Sow et à Pierre Arditi. Je passe la parole à Éric Jouan qui va nous rejoindre et je vous demande de remercier Ségolène Royal pour l'heure qu'elle a passée avec nous. Merci à vous. Je vous en prie, prenez quelques secondes peut-être pour...